C'est la VOD. Donc bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le combat de Siemens D, donc qui est du côté bleu. Je vais le faire en même temps que vous face à Will Smith D. Non, non, face à Farle A, pardon. Donc Siemens D, je vais vite changer le truc avec vous en direct, puisque j'avais oublié de le faire. Face à Will Smith. Non, Farle A. Donc on a l'initiative. C'est bien, c'est Amurlenoob qui a l'initiative. Du coup, on a en face Ephyr le roublard, nous avons Charrier le Sadi avec une cape toute bizarre, Ghost Rider l'Inripsa et Lady Aenix le Sacrieur. Et par contre, j'ai fait un petit fail dans les commentaires, où je vais le modifier tout de suite et puis je suis à vous. Et pour ceux qui ne savent pas au niveau de la VOD, le problème c'est qu'en fait, Sumen joue deux matchs en même temps. Donc il y a la C et la D qui jouent en même temps. Donc moi je m'occupe de stream la D parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de la soirée, c'est mon équipe, la D et celle de Robin aussi. Donc on se doit de les streamer eux. Si jamais genre il y a quelqu'un qui manque, bon, au moins on sait comment ils jouent. Et puis voilà, enfin c'est par équipe de cœur, quoi, voilà. Et du côté de la C, ben il y a quelqu'un qui est en train de me le filmer. Et ben on le recommandera par après, genre pendant la semaine, ou genre s'il me le donne aujourd'hui, j'essaierai peut-être de le faire sur le stream s'il y a moyen. Et apparemment, pour le moment, du côté de la C, il y aurait peut-être un forfait. Donc ce serait peut-être une victoire, encore une fois, de Sumen C par forfait, ce serait quand même sympa. Enfin non, c'était la D l'autre fois, mais bon, ce serait sympa. Comme ça, tout le monde pourrait regarder. Et Kakev qui vient de rejoindre en spectateur. On a Bouftonus qui lâche son Doppel. Côté Ouais, c'est stuff. le gros même qui est pas là. Côté stuff, moi je vois bien Lenny là-haut qui est en marteau ancien steamer. Voilà. Marbre pare-feu. Un Sadi que je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Le Une fois feu glauque. Ouais, Avec de Daguerre. Avec des Daguerre, pas faux. Le Sacri. Ouais, me dis pas, il est en maudit le sacré. Ouais, j'espère pas pour lui. Après, donc en steamer, on a qu'est-ce qu'il y Steamer, a? j'en ai 8 offres. On a Vitrof, ouais. Le Roublard en full agi. Notre Tisma Shield. Bah, je vois bien un mode terre avec les 8-8. Non, non. Il a le mode eau? Cette machine, il est en... Là, il est en suicide d'Aguerri. Ouais, il est en mode terre. Et Bouffe, qui joue mode feu. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Avec la baguette maléfique qui donne des fixes. C'est ça les fixes, en fait. Les 15 Et fixes. okay. Il reste poussé, pardon. Donc là, le tour d'invocation, les arachnes de chaque côté, les Doppels. Une petite bombe R, donc Takatukiki qui va jouer son mode R, donc c'est ce qui était prévu. Ils ont toujours pas de roue. Drummond jouera pas comme il avait dit. Ah. C'est un mot au courant. Donc je laisse toujours le canal guild bien sûr pour qu'ils nous tiennent au courant au niveau des forfaits, à moins que tu regardes. Ah. Ouais, Robin, Bon t'es mec, regardé pourquoi pas. le canal guild? Moi, oui, si tu veux, je peux te. Pour si jamais il y a un forfait, ben, qu'on soit au Ils ont courant. toujours pas le roublard. Ah ben. Ouais. En face. Ça va. Pour la team C, ça va. Automustam match 1. Deuxième match forfait, je crois. C'est à leur niveau, après tout. Ouais. Spera, Oh là il là. a Spera, payé. il a sorti les camans. Ouais, clairement. Ah, il a payé Hydromel, ancien roublard de Sumen. Ah, il me semblait bien qu'il remet, ça me disait quelque chose. Eh oui. Thibaut. Thibaut pour les Antilles. C'était le roublard de qui, Hydromel? Il joue en monocompte ou il avait autre chose? C'était Il avait contre une... Akija, un panda qui est encore sur Summons. Honneur de la guilde d'anarchie. Alors tu Elle peux remplace. jouer pour Will Smith s'ils n'ont pas de roublard. Façon de se faire. On me demande si je veux jouer pour Will Smith, mais... Bah dis oui, au Ben... moins ça leur fait un forfait. On n'a pas le droit. Limite. Le Oui, Mambler toujours. c'est pour rire. Ah bon. Après le match de la D alors.
Bah, limite, ce serait cool qu'il joue, mais en genre si c'est vraiment par forfait pour le fun, quoi. Et là, je veux bien aller avec Julie Smith, limite. Mais... Ah, mais c'était attendu, hein. Ça a été dit sur le forum. Au moins, ça fait un match joué vraiment à fond pour la C, quoi. Parce que si c'est encore forfait aujourd'hui, bah, clairement, Otumistam forfait. Bah, maintenant, c'est. Will Smith, si ça se trouve, ils vont jouer par forfait, donc. Public. Il est content, Tony est content. Ah ouais, balance. Parce que sur Illusion, mes copains, ils sont bannir pour rien. Mais on balance tout. Ouais, pour parler d'Illusion, tiens. Forum officiel de Summons pour le Bouta. Il y a des mecs de Boïs et tout, carrément. Allez. Bon, je, vais aller voir. Je disais pas de bêtises. De Fuxet est bien platine 5. Ah non, il est platine 5 à 100 points. Là. Ce qui veut dire ça. Ouais. Donc il a arrêté Dofus, mais il s'est mis sur League of Legends à fond. Alors, pub, la Guild Hunter Legends recrute 170 mini via forum. Pen, je t'ai déjà dit que les forums, ça sert à rien. Il n'y a personne qui a envie de se inscrire par forum. C'est trop casse-couille. Toujours pas de nouvelles de l'AC? Parce que là, pour le moment, la D... Ah, ça c'est... va être forfait, ça. Ah, on vient de le voir, le message de Rockstar. Tu veux jouer pour Will Smith? Ah. Tu vois, il y a pas mal de décalage. Hein. Bah, 7, 2 minutes. Bon, avec moi, l'ensemble, ils ont moyen. Oh, le salaud. par contre, si le Sacri de Farm Coop... Le Roublard, bon certes il joue juste après, mais je crois bien que ça va niquer la... Parce que si j'ai bien compris leur tactique. Le Sacri coop, et ils le mettent dans les bombes juste derrière. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, Stammer, il avance, et il fait longue vue sur un mec, et après il le... Ils le mettent dans le triple bombe. Ils mettent dans les bombes et il one-shot. Mais c'est un peu trop classique, je trouve, comme technique, ça se voit trop ce qu'ils sont en train de faire, ça. Mais comment il fait quelqu'un, là? De quoi? Il peut choper personne. C'est pour ça qu'il met le plein invoque, comme ça il marrait, il peut mettre une harponneuse. Non, en fait, c'est un forfait hein, pour nous. C'est vraiment forfait? Ouais, ils sont pas là, c'est chiant. Pour le Tomusta. Ben, Alex, dis-leur limite, s'ils veulent jouer pour, genre, pour le fun, bah après je veux bien remplacer leur problème. Non, bah non, on va aller sur le même. Donc je peux dire que c'est victoire, zéro tour. Allez, 190 points. Donc voilà, pour le moment, full pour Summons. Quand il y a pas ce qui tombe. 0 tour, 4-0. Forfait. Voilà. Donc du coup, bah nickel, au niveau du stream, on se passe bien. Si je dis pas de bêtises, le steamer peut aller longue vue. Tu peux couper le stream, s'il te plaît. Le stream. Bah, je sais pas, mais il y a du bruit, genre un stream qui vient de chez toi. C'est pas chez moi. Bah, Alex. C'est Alex. La mallet. On est chaud. Donc là, pour l'instant, il peut toujours avoir le roublard. Donc il va se passer quelque chose dans les tours qui viennent. Là, ils sont en train de se préparer. Je pense que à ce niveau-là, Will Smith, bon, ils ont le sacré, ils ont clairement l'avantage. Farl, ils ont l'avantage avec le sacré, puisque bon, c'est plus facile à mettre qu'une marée, mais faut voir. Peut-être moins avec sa place. Avec tous les. Ça va être dur avec tous les arbres, les carottes comme ça. Si la masse PE, il peut même aller chercher le Sadi, mais ça m'étonnerait. Et là, c'est. Oula. Ah, il va chercher le roublard. Il n'a pas. Ah. Bah si. Oh. Il l'a. S'il a la PO. Encore ouais, de la droite. Ouais, oh non, il l'a. Oh là là, c'est joué. Oh, c'est bien joué, ça. La ligne de vue qui a été trouvée par Stammer Lano, super bien joué. Donc il va être obligé de transpo, si je dis pas de bêtises. Je suis joué. Donc il y aura quelqu'un de phare du côté de Summons, malgré tout.
plus, il y a Takatu Kliki qui joue juste derrière. Donc, bon, pour le moment, ça sent bon pour Sumens. Là, il y a une super belle. Voilà, il transpo. Ça sent pas l'olive. Ah non, il a coop carrément. Ouais. Et je pense que ça va être dur pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si il peut placer la bombe derrière, ça passe, mais je pense pas qu'il s'allait la mettre. Avec Takatu Kliki, on s'attend à tout. Ouais, parce que niveau mécanique, il est assez balèze. Il peut même essayer de faire, c'est une un roublabot kaboom, et alors placer une bombe genre à côté du Zobal, le ramener et puis la repousser. Enfin, il y a moyen, franchement. Je pense que Rob, il est en train de tout guider. Ça va bah, oh. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, d'accord. C'est bien. 700 de dégâts sur le sacré, c'est bien. Il aspire. Non, c'est pas fait, c'est il bloque. Il fera pas péter là parce qu'il est plus qu'à boum, ouais. Ben, moi j'aurais pas fait péter. Non, faut pas faire péter quand c'est comme ça. Il sort le dernier souffle, donc là il est risqué le dernier souffle. Non, il y a l'ossa derrière Crapaud Reznat, tu tomberas jamais. Ah, il a 2000 coups. Donc la debuff de Stammer là nous. Fait chier, voilà, c'est Stammer là-haut. Bah normalement, niveau déplacement, il est assez peinard, non? La harponneuse, il peut la... la gardienne, il peut encore la mettre, la bouger. On a les Zergix en face, c'est ça. Allez, Sumen, c'est vif, Sumen. Allez, salaud. Donc là, le Doppel. Ah, Ayoka Sumen, Jnunai, mange tes morts, il a dit. Voilà. Mange tes morts. Et Ayoka, c'est la personne qui m'a demandé déjà à 140. Ah, écoute l'anecdote. Il n'y a pas longtemps. Je crois il y a 2-3 jours, Ayuka il est tombé d'un toit, il a un plâtre au pied et il ose parler. Oh joli, l'invocation du bouffetou qui va mettre sous pesanteur le roublard, donc il va pas pouvoir bouger. Escroc du 9-5. Ouais, c'est bien joué. Parce que là il va être... Platine 4. Il va quand même pouvoir bot. Ah, il est passé plat 4. Nice. Mais il va pas aller loin. Bah c'est surtout qu'il joue feu et il détruit pas là. C'est ça. Oh putain, il a fait mal. Ah ouais, là il a pas fait dans le détail. Par contre, s'il botte, je pense que le roublard en face peut mettre le. Mettre ta tout cliquer dans les bons mains. Ah s'il joue bien il peut le mettre mais quoique attends. Non il a pas l'épée. Avec un roublabot. Ouais limite, mais c'est gâché un roublabot pour Bah il peut rien faire. Ouais il marche dedans. Il remarche dedans. Mon avis il est perdu lui. Donc là soit il va utiliser le roublabot pour ce jeu de fin pour se ramener là-haut. Non il va se ramener là-bas. Oui, c'est con, il aurait pu. Mais par contre. Ça va être chaud pour sauver Stammer. Par contre, le sacré il a pris cher, hein, du coup, il est bien pour la. Ah non, je sais pourquoi il a remarché dedans. Regarde, il est à 50% là. Mais là, il est plus à 50%. Là, il est... Oh, le crit qui passe pas. Oh putain, je pensais pas que Kisma il allait faire 74 PV sur le sacré. Aïe aïe aïe. Ok, il faut que tu changes de stuff. Abusé. Oh mon gars, les dégâts. Putain, le crit à la daguerre, il a pris tellement cher. Oh, ça c'est dur. Ah ouais, mais il a l'autof, Lenny. Ah bah c'est bon. Ils peuvent pas sauver le sacré. C'est parfait, ouais, c'est bon. Ouais, mais par contre, Stammer il prend cher. Oh là 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 là. Là, on a Stammer qui joue, non? C'est ça? Ouais. Ouais. Donc Stammer, tu le sacris?
Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on a un roulabot du côté de Takatou cliqué? Non, je crois pas. Il a utilisé, non. Ouais. Non, il n'a pas utilisé. Non, des bêtises. Ça, on pourra pas le mettre dans les bombes, ça c'est sûr. Sauf si il peut. Hein. Bah, limite, si, au pire, s'il perd Stammer. Attends, qu'est-ce qu'il. Oh non. Là, il tue déjà, il tue le roulard. Voilà, voilà, enfin, nice. Le... Ça c'est fait. S'il si écume. Tu mets ce qu'il prend l'avantage. S'il écume Tisma, il peut peut-être le mettre dans. Ah non, il fait aspirant, il va revenir, Pena. Ouais, il préfère se sauver, je pense. Oh, parce que clairement, 3-3... Ouais. Après, il y a Bouffe de Neuf qui peut le re-resnat et tout. Et la tourelle pousse le l'ennemi vers eux. En plus. Ah, bon. Oh, nice. Oh, okay. C'est bon. Hein. Oh, c'est tellement bien joué, là, de la part de Stammer. Oh là là, les mécaniques. Moi, je sais pas jouer. Bon, là, c'était un petit taunt de la part du remplaçant. Donc, voilà. T'aurais été capable de faire ça, Lio. Déjà, je serais mort, moi, déjà. T'as, moi, je me serais chié de cela par de Stammer, lui. Non, peinard, tranquille, on se débat, l'attaque tirée. Oh, toi qui gagne des jetons, je m'en fous, moi. Bah. Alors là. Eh, sans déconner, nous deux, on se met bien. Bah oui, Robin. moi, c'est le pire. Oh, je me suis pas inscrit. Des jetons, hein. Nous, regarde, écoute, on a la meilleure place. On est assis, on regarde, on critique. Voilà. Allez, voilà. Et on observe, on apprend en même temps. Genre le coup de la rémission Schaffer, là. Parfait. Moi, j'arrête de faire le Rastora, sinon je vais finir à poil en colisée. Putain. 4 victoires. Ah, c'est fou. Imagine, tu m'aimes si tu commences à gagner. Joda. Eh, mais chaque année, ils sont chauds, hein, Roublard. Il y a une semaine, ça se lâchait des grosses insultes. Même alors, en canal commerce, le Roublard qui a fait disqualifier la team Will Smith se fait un peu descendre. Allez. Hydromel, le chip. Rockstar qui est sans cœur, j'éviterai de lui parler personnellement. Qui n'est pas présent. Et qu'on alors, vous voulez voir les résidus du Roub. Donc le roublard ici il a 8% neutre, il a 12 résis fixes en terre et en feu. Il est en quoi Ephir? Il est en feu, non? Il est en Nilesa. En tout cas il a des boîtes Nilesa, ça c'est sûr. CQ Nilesa. CQ Nilesa et type. Le fixe R ouais. Et t'as qu'à tout cliquer, il a 7-8% un peu partout, et il a plus de résis fixes que de. En fait, on va expliquer le stuff à t'as qu'à tout cliquer. Il est en Alistair Clim, mais son chapeau Alistair donne 8% et sa cape Clim donne 8%. D'accord. Et les résis, en fait, c'est une tactique. Donc en fait, il a le même stuff que moi, en gros. C'est ça. C'est ouais, non, il a plus de résis. Je sais pas où il va aller chercher ses résis, puisque... moi, niveau AMU, j'ai une... J'en vois pas de résis, personnellement. Ah non, bah, et les 7%, moi, je les ai pas, je pense pas. Lui, il est en Grand Duc, pas toi. Ah ben voilà, c'est le Grand Duc qui change. Moi je suis en Clim Alistair, tout simple. Avec lui, le pire, je crois que je suis le seul du serveur à avoir un Karnak comme Il y a Black Hens. Comme Black Hens, il a le Karnak. Oui, oui. C'est ça. D'accord. Alors Capi, tu partageras avec ton honneur. Ben oui. Pent, tu me fais passer 200, je te les donne tous si tu veux. Il n'y a que ça qui me manque en fait. L'argent, je les ai. Le stuff, je l'ai. C'est juste le niveau que j'ai pas. Mm-hmm. Donc là, le Domino, ton... Raphaël Meneglier, il a dit Rob Stark est sans cœur. J'éviterai de lui parler personnellement. Ouais, j'ai vu ça. Il est bon pour attraper les noix de coco. Hein. Talouche Sumen, s'il veut voir les résis du roublard. Ouais, je les ai déjà montrés. Je vais montrer les deux. Il y a le décalage. Moi, je... Là, voilà. Toi, eux, ils en sont au remplaçant qu'on disait qu'on était posé. Voilà, posé, il est remplaçant. C'est exactement ça. On est remplaçant, tous nos joueurs sont là. En fait, et je suis content hein, qu'ils n'aient pas été là dimanche, parce que... Clairement... C'est Yodofus. Si y a tes tentes, FDP. D'accord. Si y a tes tentes, FDP. Ok. Capitaine, tu peux faire la dédicace à moi. Ikey.
PVP. Ike tiré du 8 PVP. C'est quoi cette histoire tirée du 8? Bah c'est tiré. Bah c'est sur le clavier. Tu sais que sur les claviers belges, le tiré là, il est à la place du égal de chez vous. Ah t'as mis la cara. Même les claviers belges, ils sont bizarres. Ben non, mais c'est pas les pareils. Il y a Suisse de différents, il y a des Belges, il y en a deux, je crois, différents. Les Français, il y en a trois. Il y a virgule, il y a point virgule, il y a encore un autre truc. Quelle idée d'être belge aussi. Oh. Ah, ouais, c'est vous. Déjà, de naissance, on peine, Thomas. Je regarde ce qu'il fait. Taxi. Hop, on prend le... Ils vont faire la même chose, hein. Putain, les dégâts d'embuscade. Ouais, en fait, ils ont leur jeu, là, ils sont peinards. Ils sont pas en oh là 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 là. Il fout la merde, en plus, avec sa tactique tirée. Attends, ah merde, c'est le Sadi joue après. S'il a un rouble à botte, ça passe. Ouais, rouble à botte et... J'espère que s'ils ont fait ça tour-là, c'est parce qu'ils n'ont, quoi. Sinon, c'est un peu dommage. Ah, on sait jamais. Parce que déjà, la botte, là, j'ai pas compris. Moi non plus. Donc, à mon avis, ils l'ont pas. Bah le bouffe tout. Ah bah tu vois. Ah il va attirer le bouffe tout. Ouais c'est complètement. Le bouffe tout. Il bouffe tout. Ouais, il le bat. Il monte. Il attire le Sadi. Oh nice. Voilà. Bien vu. Ouais. Et comment il entourloupe avec 2 PA, tu m'expliques? Il va pas entourloupe, il va le poser. Il attire, il pousse. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Oh le mystique. Oh le mystique. Il a voulu le mettre dans le coin avec son roublard et... Ah, putain de merde. Non, il a pas la PO en fait, c'est ça le truc. Non, si, il l'avait, c'est juste que... Il a voulu... Non, mais attirant, il manquait... Mais toi, en fait, il a raison, il l'avait pas, parce qu'il aurait pu que l'attirer ici. Ouais, il aurait pas pu l'attirer plus loin, c'est 5 de PO, enfin 6. Et après, tu le pousses, non? En fait, il aurait non, fait... Non, mais il pouvait pas. Mais tais-toi, après, il aurait mis... Dans tous les cas, il pouvait que l'amener. Ouais, mais en fait c'est bien, il a bloqué au cake, donc de toute façon, s'il prend genre le Tisma, il va le pousser avec des boliches ou un bouton là, ça le met dans le mur quand c'est au là. Non, mais c'est pas ça, il l'aurait mis en diagonale des deux tourelles et après il l'aurait pu dans Tu sais ce qu'il aurait pu faire? Il fait un rémission sur lui-même, et puis Bouftoneuse fait une flamiche sur Takatu. Non, ça marche qu'au cake. En fait, c'est que la personne qui est au cake qui peut faire une rémission. Mais si. Rémission sur Takatu, et puis il aurait une flamme. Même pas. Il se serait rémission lui-même. Il aurait été bloqué à son cac s'il aurait tapé. Mais au pire des cas, il fait une roublardise de celle-ci en dessous, et il le met dedans. Donc, il va au cac de la gardienne, il met un sanglier, ça le pousse. Et comme ça... S'il sait mettre le sanglier ici, ça le pousse, puis Tisma, il fait bolish, et go. Voilà. Bien vu. Donc il joue vraiment la compo roublard à fond quoi, aujourd'hui. Là il va l'envoyer. Mais tais-toi, on est remplacement, on réfléchit pas. Attends, qu'est-ce qu'il va faire? Moi je crois qu'il y a des mecs qui ont décidé de voler une voiture ce soir. Ouais. Un petit déclenche. C'est pas il un quartier sur la SPA. C'est des mecs du 9-5 ça. Je crois qu'il peut faire libé. Attends. Libé, bolish. Non, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il fout? Il fait n'importe quoi, hein, le roublard en face. Hein. Je crois qu'ils essaient juste de garder de la vie pour pas te prendre une écrasante. Puis après, ils vont se laisser tuer, je pense. Il est stuff comment, les lignes en face? Il joue feu? Non, il joue en stratégie de mid-fort. Hein. Ou alors il est en... Ouais, stratégie de mid-fort. Non, il est pas en stratégie avec 36, il doit être en noctular. Donc stratégie de monster. Alors, il y a Ayuka Sumens qui dit Diaspera qu'il se coa pour péter les percos à Nico. Ah, les bâtards. Oh, putain. Oh, sur la vie de ma mère, j'arrive, Nicolo. Pierrot, j'arrive. T'inquiète pas, Pierrot, j'arrive. Oh, Nicolo Roux, j'attaquerai pas tes percos, t'inquiète. À ce qu'il paraît, du dieu a disparu. Et moi, je viens de l'île de Madagascar, la coévite. Je vais péter sur Alcaline ou qui rigole. Ah oui, Apo, Bolish, il peut le faire.
Ben non, il a pas fait en fait. Non, il a préféré maximiser les dégâts et puis ils vont faire une. Il aurait pu apo le sanglier, le re-apo et faire une bonus. Ouais. Je pense. Bah ils vont pas jouer au roublard, je crois. Ils vont. Et Ati Pupu aussi. Mm. Ouais, de toute façon, Bolly c'était pas 5 cases, hein. Je sais pas c'est qui a dit ça. Et sur moi un remplaçant. Non mais moi j'ai un roublard 59 mais je connais pas bien les sorts. Un Zoban. Bravo Moray. Oui j'ai un Zoban. Bah bravo Moray. T'as dit j'ai un roublard 129. Non non. J'ai un roublard, j'ai un Zobal, j'ai un Sacri. Il a tout. Non, c'est le 3, c'est la 3. Même si ton roublard en 99, il a le niveau dans 129, mais bon. Voilà, c'est à peu près ça. Tu as tout dit. Dédicace à la moto. Ah ben non, c'est Stammer qui va le finir. Ah ben, attends, comment il va faire? Avec 2 PM, ça va être dur. Ouais, j'avais pas vu les PM en fait. Embuscade et une ligne de vue. Ouais, oui, bah heureusement. Il va peut-être tuer le sanglier. PO d'un gluten, nos lignes de vue. Qu'est-ce qu'il fait de place, PO modifiable. Salut. C'est vrai en plus. Ah, la moto, elle est énervée. Alors, ouais. C'est autour de qui là? Je vois pas. Le timeline est trop grand. C'est autour du triple steamer. C'est autour de Takatou. Espérons qu'il va le finir. Alors, aimantation, bot, libé, je sais pas si ça passe. Aimantation, libé, bot, il va manquer. Non, c'est bon. Si la libé est montée. Ouais, bot. Bot, ça passe. Donc là, le Sadida qui va tomber, charrier, voilà, moins 965. Plus. C'est quand même bizarre, parce que la compo... On dirait que la compo était vachement main, ouais, on dirait ils se laissent faire, ils font rien. Bah, en même temps, le Sacri va en... Frigide maudite, il a un PO de base. C'est logique. S'il a un exo, mais donc pas de ever strigide l'ourson avec 36 récrits XD, bonne chance pour over récrit autant. Donc déjà il est en strigide el monster avec un marteau ancien steamer, je vois pas où est ta l'ourson, mais ouais voilà. Merci ever, on te rappellera. Au pire si c'est pas bon on est que des remplaçants donc C'est pas notre... Nous on dit comme on sait, après si c'est pas bon, on n'a pas rien. Le monster donne 15 res critiques et la cape aussi. Oh, attends. Ah, il manque un PM. S'il y a moyen qu'il TP quelqu'un, avec il peut faire un... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, ça passe pas. Faudrait qu'il bouge l'attaque Tyrell et qu'il coop un mec directement dans les 3 bombes et il se fait one shot. Tyrell, elle est même plus évo. Non, il l'a bougé. Mais il vient de la remettre. Ouais, je sais bien. Il faudrait qu'il la mette autre part, elle est mal mise en fait. Ok, il fait péter une grosse bombe, il tue même pas le crackler. What the fuck. Donc il y a quelqu'un qui spam depuis 20h57 pour que je le dédie. Dédie à Ekimos ma bitch et Frigab pour voilà, c'est ça. Ouais, tu sais quoi, j'ai reçu 5 MP d'affilée là. Monte un peu le son de Skype, d'accord. Il te spam sur les cas? Non, sur Skype. Okay. Là, les escrocs. Je vais redescendre la timeline en dessous. Donc pour les gens, encore une fois, s'il y a moyen, un petit rush de pouces verts, pour histoire d'attendre les 100-150 pouces verts, ce serait cool. Sur 200 personnes, ce serait bien. Comme Maître Yoda. Voilà. Dédicace à Mariam. Ouais. Oh les bâtards. Oh là les bâtards. Qui aide à faire des... La meuf irait la suppression. Voilà, elle l'aide à FM. Elle l'aide à FM quand elle tourne dans la cage. On va pas parler de ta go de Skyrock. Hein. Elle a le gabarit à Kephisos. Allez, salut. Alors, trans de la part de T-Smash, je sais pas pourquoi il a fait ça. On va arrêter les hors-sujets parce que...
Ah ouais, après il n'y a plus personne qui va jouer les matchs. Les dieux, hashtag Rob Stark. Ah voilà, il y a Ever qui vient de se faire clasher avec le la fameuse Glourson. Ça arrive seulement dans le chat. Non, j'ai rien dit, moi. C'est pas moi qui parle des stuff, c'est Robin. Apparemment, t'aurais dit qu'il avait une Glourson au début, mais le roublard... Qui ben Robin, il paraît que c'est toi qui as dit ça. Qui Glourson? Quel roublard? Ben... Attends, c'est qui a... Mais non, dit, il en dit ça. Mais non, avec la Strigil Glourson, c'est de qui? C'est de qui parlait? Mais non, on parlait pas de Glourson, on parlait de Strigil El Monstre. Oui, oui, mais c'est quand Ever il a dit Strigil Glourson, il parlait de qui? J'en sais rien. C'est un mec à côté de la plage, je pense. C'est un mec de Sumens, quoi. Enfin, faut pas chercher plus loin. Hein. Je reviens dans une vingtaine de minutes. D'accord. Pas de branler, quoi. Ouais, voilà. En gros, hein. Qui est en train de refaire évoluer la tech team, elle est mal placée, je trouve, la tech team. Est-ce que le roublard il peut attirer l'attaque Tyrell maintenant? Comment ça? Genre bot attirer pour la rapprocher des bombes. Ouais, en fait on peut la bouger, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si j'ai compris. On peut la bouger, mais pas la détour, pas la coop. Toutes ces conneries comme ça. Ouais, elle est en. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en semi-pesanteur. En lourd, je crois. Je crois que c'est état lourd. État lourd, d'accord. C'est ouais, juste les déplacements simples, pas les... C'est ça. Ah, ils vont les chercher, en fait. Ah bah... What? Non, bah il faut, non. Mais bon, l'écrasante, ça passera pas, là. Non, ça passera pas. Ligny, en fait, ça reconce. Non, mais le 4 victoires, là, ça me... Je sais pas pourquoi il a fait une botte, là, bah, faut m'expliquer. Pour décaler le... Enfin, ouais, non, en fait, ça sert à rien. Bah non. 250 points. Voilà, sur la journée, c'est pas mal. 250 points, donc x 15, ce qui nous fait 3750 colis et tons la journée. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est surtout les doplons, hein, c'est même pas les colis et tons. Avec les colis et tons, je crois que je vais me prendre un crâne, un truc du genre. Mais... Antoine. Ouais. On est d'accord que Capi, c'est aussi un escroc. Ah, je suis pas un escroc, moi je suis. On m'a commis d'office, c'est pas ma faute. Un escroc jusqu'à deux. il a fait 2-3 streams et ça y est, que les colisés bon. J'ai failli oublier une dédicace. Grosse dédicace à Tech. Voilà, toi-même tu sais, Antoine. Voilà. Donc il y a Ever qui nous dit apparemment, il y en a un qui a sorti Strigil Glourson, stop de mytho. Strigil Glourson. Ah, le Sajida qui est en Eri. Mais même, il est en Eri. Charrier. Ouais, mais il est en Eri, quoi. Enfin. Bah, je sais pas. Il avait pas une épée Glourson. Sinon, il aurait eu 30 fixes. Apparemment, il y avait 100 likes. Je vais... Stammer qui va être dans les bombes. Bon, ça sert à rien, mais... C'est fait. Histoire de dire. Voilà. Il pourrait agir, il a mis quelqu'un dans les bombes dans la partie. C'est ça. Alors. À chaque fois, on me demande s'il joue les matchs. Si c'est pas Sylvos ou Elzéphine, je joue. T'es dans quelle équipe? La B. Écrasant. Peu importe, tu joues une JP. Ah ouais, parce que Sylvo Starkey qui est des déos secs. Il dit à Jojo de nous retirer à Ami. Il envoie ses petits ses petits trous de balle pour nous DDOs. Oh. Qu'est-ce qu'il fait, Lenny? Ah, il en a marre de jouer. What the fuck?
crois qu'il en a. Il y a quelqu'un qui peut couper le stream, s'il vous plaît. Parce que je m'entends. Il a pété les bombes. Je comprends absolument rien. Je crois que le gars, Lenny, dans sa tête, il a rage quitte. Je pense qu'il avait peur que Steamer les mette dedans. Ah oui, non, il a 1200 HP, en fait. Ils arrivent pas à le tuer. Hein. Ils essayent, mais... Ah, surtout qu'il va avoir le... Ouais, il y a Bouffe qui joue à peine. Je crois qu'ils tentent le tout pour le tout. Ils essayent de faire un mort, puis sort de récupérer un peu de points, mais... Ah, c'est mort. Il peut aller au bout de la map en un tour. Donc NP. Ouais, non, l'écrasant, là. Ouais, ils auront pas l'écrasant. Ouais, début du tour 9, ouais, c'est mort, même avec la masque, comme dit Kenji. La longue vue. Il va être au cac du coup de bouffetonneuse. Mais il est trop mal mis, je trouve. Au niveau de, en tout cas au niveau des bombes, il est pas bien mis. L'attaque tirée, elle est mal mise, je trouve. Donc là, il a embuscade, fouet. Donc là, il va prendre masse dégâts. Est-ce que la harponneuse, elle fait quand même son le coup d'embuscade si elle est niveau 1? Enfin, si elle a évolué. De quoi? Non, elle le fait pas, non. Non. Je pensais que même quand elle est seulement évoluée au premier... Ah! Non, il peut pas roublabot la tactique ici. Ah si, c'est déplaçable, non, les... Attends. Ouais, contre loupe. Il chope pas de bombe, il a tiré le plus loin. Voilà. Oh, oh le mec. Ah, je voyais pas du tout ça. J'avais vraiment pas pensé. Eh bah putain. Ils font une écrasante. Tout, il est trop chaud. Non, ils arriveront pas, le roublard a trop de vie. Ouais. À moins que Tisma fasse du moins 4300, ce qui m'étonnerait. Ça, c'est la masque, hein, mais bon. Ah oh, mais regarde, il y a le Doppelénu qui bloque. Ah mais si Mascar, faut pas que Stammer y meure d'ailleurs. Et Kengi. Boum. Ouh. Ouh. Là, il y a Bouffetonne. Si elle le buff... Bah, ils vont tenter, je crois qu'ils vont vraiment tenter à fond, mais... Je pense logiquement, le roublard, il est feu, il peut pas tuer Stammer de là. Non, non, il saura pas le tuer, ça c'est sûr, mais... Ouais, t'as un Rox. Même un pulsar et encore il est trop loin, il va utiliser trop de PM, il saura pas. Il joue la voilà, résinate. Ah ils ont raison de ça, c'est pas possible. Ah ils ont vraiment bien joué là la D franchement. Il aurait peut-être du fouet d'Opelini parce que. Oh dur. Oh merde. Oh l'enculé. Oh la mort. Ça c'est dur. Attends, comment ils peuvent le ramener? Trollé par Kephisos. Le sanglier. On est d'accord. Oh yeah, je t'oublie nous. S'il te plaît. Il peut pas slash time là, si j'ai envie de dire Nuggets, je le dis là. Slash time là. Putain, il y en a assez de semaines. Les salauds. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Mission. What? Ils se cachent, ils veulent pas l'écrasant. Ils l'auront pas, les. Bah oui, mais je pense que dans leur tête, ils savent pas c'est combien de tours. Oh, 512. Il reste combien? Ah, ouais, ça passe. Ça passe pas, non, 26. Si ça passe, à la flamiche, voilà. Ouais. Ghost Rider qui tombe, donc à mon avis, 4-0. Genre, c'est la technique. Il va sûrement tomber au 9e tour. Je prévois déjà la la description. Attends, j'aurais dû parier sur Summens aujourd'hui. Moi, j'ai encore rien parié et on aurait gagné match. J'ai rien parié, comme un con. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive plus à me lock sur Jol. Donc, Je t'avais dit de mettre des cages. Il va le... Il est bas. Donc Summens se connectera sur l'officiel en héros. Il n'y aura pas d'embrouille. Voilà. Ouais. Tout le monde sera content. Et Archepois pour Aster, enfant.
N'empêche, moi je dis la B, non la A, ils se sont fait très peur. Ouais, bon. Ben, ceux qui ont été le plus dans la merde. Ben ouais. Et clairement, là, ça, si le roublard avait pas mis ce clic, je suis pas sûr qu'ils auraient gagné. Ouais, mais si Dudu, il aurait décalé d'une case, il ne tuait pas Dudu, c'est pas le même match aussi. Ouais, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il dit, la Fouine? Avec des si, on refait le monde. On refait le monde, avec des Uzi, on a refait le monde. Exact. Enfin bon, belle soirée quand même, comme on dit en Canal Guild. Ouais, voilà. Belle soirée pour ça. Je vais me remettre en Canal Guild du coup. 10 tours. Osef, 4ème victoire d'Epsilon. Ouais. Un schéma, hein. Oula. Non, il meurt pas, il meurt pas. Attends, même s'il fait péter, il meurt pas. S'il fait péter, non. Il aura tenté le tout pour le tout. Il a tenté le beau jeu. Ça va, on n'a pas trop été mauvais sur ça. Non, c'était bien. Mais la... Oubla. La première journée, le maximum, c'était 260. Ouais. On a 205 aujourd'hui, ouais, 250, et première journée 185, je crois. La première journée à l'histoire, ils avaient fait 260. Ouais, à l'histoire, ils ont fait full win. Ah, donc ça veut dire on est bien. Donc là, Stammer 700 HP 618. Putain, me recrute. Oh, le crit qui passe pas. Oh, le kill à la libé. Ah, ça c'est sûr, il aura lieu. Hein. Ouais, ah, ben. Il va pas les faire. Il peut. Et attends, il a 6 PM. Arrêt, Flamish. Flamish, je pense qu'il le tue. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, non, il va le tuer à l'attaque réelle. Oh non, la Flamish qui crit. Ouais, j'allais être sûr. Ah, t'es dégoûté. Bon, ben du coup, 10 tours, hein, victoire 4-0 encore une fois de la part de Sumes, donc full win aujourd'hui. Donc, je mets la description à jour, donc voilà, nickel, hein, on est super content. 222 visionnages pile. Je vais rafraîchir pour voir si on a atteint les 100 pouces verts. Oui, on a atteint les 101, c'est parfait. Donc merci à voir tout le monde, d'avoir regardé en tout cas là au niveau de la VOD. Au niveau du live, je vais un peu rester, hein, je vais aller faire sur Sumens comme j'avais fait l'autre fois. GG à toutes les teams de Sumens. Hein. Donc full win, 100, 250 points si on a fait le bon calcul. Donc oui, ça fait 60, 60, 60 et 50. Ah non, on a une écrasante, donc 80, 130... Ouais, 250, je vais y arriver. 250 points. Sur le serveur, donc au niveau, je crois que le top 10 on devrait pouvoir l'atteindre. Donc là on va zoomer sur Robinho pour montrer à quel point il est moche. On va même gagner des places. Voilà, je te vois là Robin avec ta peau, on dirait un oeuf. Ah, les dégueux. Enlève ça. On dirait un oeuf. Attends, je vais te montrer ce que j'ai moi comme quoi. Les autres marchent pas, il y a rien qui marche. Ah. Allez, on doit mettre le plus beau chapeau. Ok. J'ai gagné. Attends, elle mien. Ah ah, tu l'as pas celui-là. Ah ouais? Est-ce que t'as l'indicateur, le navigateur, il vous bat tous. Est-ce que t'as le Kim de Tanil? Non, par contre j'ai ça. J'ai la coiffe de ton frère. De mon frère. Non, c'est quoi frère que ça s'appelle? Ah. Bon, je vais couper la VOD au niveau de YouTube. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, ciao.